Merry Christmas, kids. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine gypsy grimpe sur la gouttière. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Ça y est, c'est Noël. Le temps passe tellement vite, vous ne trouvez pas ? Vous avez été sages cette année ? Et vous, les enfants ? Que se passe-t-il ? Tu as peur des éclairs ? Oh, c'est vrai ! Est-ce que le Père Noël aura des ennuis pour distribuer les cadeaux par ce temps ? Très joli, Phoebe. Mais je crois que tu as besoin d'aide. Maintenant, c'est vraiment Noël. Vous avez un sapin à la maison, les enfants ? Regardez, une étoile pour mettre en haut du sapin. Il va être encore plus joli. Oh non, c'est le Père Noël. Que s'est-il passé? Donnez-leur une couverture et un chocolat chaud. Ils sont jolis.
c'est l'étoile magique du traîneau. Les enfants, il en a besoin pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants. Bien joué, Groovy. Tu t'améliores en transformation. Pops a raison. Il ne peut pas sortir dans cet état. Il est malade. Il a besoin de repos. Non, Phoebe. C'est trop dangereux pour les enfants. Vous ne pouvez pas distribuer les cadeaux. Il fait un temps de chien. Wow, Pops! C'est un portail? Où mène-t-il? Il mène chez tous les enfants du monde. Joyeux Noël, les enfants! C'est une superbe journée pour jouer dans le bac à sable. Haha, Groovy, il est très mignon ce crabe. Qu'est-ce qui sent si bon? Ce doit être vraiment délicieux. Attention, Groovy! Oui! Du brocoli! C'est ça qui sent si bon! Non, Groovy! Attends que tout le monde soit assis à table! Pourquoi tu ne vas pas chercher Phoebe? Phoebe, le déjeuner est prêt! Dépêche-toi parce que Groovy a très faim! Groovy, tu vas devoir aider Phoebe à se défaire de tout ce sable. Je crois que ça ne suffira pas. Je pense que ces transformations ne feront pas l'affaire. Une minute. Celle-là-ci, une pelle, c'est exactement ce qu'il nous faut. Dis donc, tu cours vite, Groovy. Tu dois vraiment avoir très faim. Qu'est-ce qu'il y a, Phoebe? Tu n'aimes pas les brocolis? Mais c'est très bon, les brocolis. Pas vrai, Groovy? C'est la part de Phoebe, ça. Phoebe, les brocolis, c'est bon pour la santé. Tu ne veux pas goûter? Je suis sûr que tu vas aimer. Pops, tu m'aides à lui expliquer pourquoi c'est si important de manger des fruits et légumes? Manger des fruits et légumes, comme le brocoli, c'est très important pour notre santé. Les fruits et les légumes sont notre principale source de nutriments. Ce sont eux qui nous rendent forts et nous aident à devenir très grands. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Groovy en mange plus que ça. C'est sûr. Et vous, les enfants, vous mangez des fruits et légumes tous les jours? Phoebe, tu ne vas même pas goûter un petit bout de ce délicieux brocoli? Allez, juste un petit morceau. Je suis sûr que tu vas adorer. Pas vrai, les enfants? Mince! Phoebe ne peut plus pédaler. Elle est morte de faim. Et oui, comme elle n'a pas mangé ses légumes, elle est à bout de force.
Waouh, Groovy, ces brocolis t'ont donné des super pouvoirs. Ne t'inquiète pas, Phoebe, il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison? Je sais, Groovy peut nous aider. Groovy, tu nous aides? En quoi Groovy doit-il se transformer pour ramener Phoebe et son tricycle à la maison? En bouquet de fleurs? En serpillière? Ou en grue? C'est ça! Groovy doit se transformer en grue pour pouvoir rentrer à la maison. Très bien, les enfants! Waouh! Avec cette super grue, on sera à la maison en un clin d'œil. Groovy, c'est ton jour de chance. Il y a encore des légumes pour le dîner. Je suis désolé, Phoebe. Allez, goûte. Ils doivent être délicieux. Papa cuisine très bien. Tu vois, je ne mentais pas. Les légumes, c'est délicieux. Je n'en crois pas mes yeux. Phoebe, ça a tellement plu à Phoebe qu'elle a mangé la part de Groovy. Ne t'inquiète pas, Groovy, il y en a encore. Vous pouvez manger autant de légumes que vous voulez. Vous avez très bien mangé. Avec ces légumes, vous aurez de l'énergie pour toute la journée. C'est une journée idéale pour aller à la plage. Groovy, c'est une façon très originale de mettre un pareo, dis donc. Je suis ravi de voir que vous portez des vêtements légers. Il est important de ne pas trop se couvrir en été. Vous savez que c'est la saison la plus chaude de l'année et le soleil tape fort. La glacière est très près de l'eau. Dites les enfants, vous croyez que c'est prudent de la laisser là? Vous allez jouer aux raquettes? Quelle bonne idée! Groovy, tu sais jouer? Tu en es sûr? Groovy, tu dois utiliser la raquette. Oui, avec cette raquette. Allez, fais le service. Très bien, Groovy. Tu as compris. Phoebe, tu vas prendre un coup de soleil? Tu n'as pas mis de crème? Phoebe, il faut toujours mettre de la crème solaire. C'est indispensable pour ne pas prendre de coup de soleil. Et toi, Groovy, tu as moins de chances d'en prendre, mais tu dois en mettre aussi. Pops, aide-moi à leur expliquer ce qu'il faut faire d'autre pour se protéger du soleil. En été, le soleil tape fort. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, à la piscine ou au parc, suivez ces conseils pour ne pas prendre un coup de soleil. D'abord, mettez de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, mettez une casquette ou un chapeau. Troisièmement, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Et enfin, quand il fait trop chaud, mettez-vous à l'ombre, sous le parasol par exemple. Vous avez compris? Très bien. Mettez de la crème solaire sur tout votre corps. Voilà, parfait. Et maintenant, il faut couvrir la tête. Super.
Qu'est-ce qu'il manque, les enfants? Des lunettes de soleil. Parfait. Vous pouvez continuer à jouer. Groovy, qu'est-ce qui se passe? Zut! Cette vague a emporté la glacière avec le goûter dedans. Oh oh! Le courant l'emporte de plus en plus loin. Je sais, Groovy. Cette glacière contient votre goûter préféré. Des fruits d'été bien frais, de l'ananas, de la pastèque, du melon. Il faut la récupérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer la glacière? En appareil photo? En pédalo? Ou en ballon? Mais oui, en pédalo! Allez, Phoebe, tu peux y arriver. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Encore un petit effort. Continue comme ça. Attention, une vague! Ça y est, vous l'avez. Maintenant, on retourne sur la plage. Très bien, vous avez réussi, les enfants. C'est l'heure de goûter. Sous le parasol, vous pouvez savourer votre goûter à l'abri du soleil. Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour reprendre des forces. Est-ce que c'est bon? Dis donc, ces glaces aux fruits naturels ont l'air délicieuses. C'est super bon. Miam, Phoebe a pris 2 boules fraises et Groovy, 1, 2, 3, 4, 5 boules de différentes saveurs. Quel glouton, ce Groovy! Attention, Groovy! Mince, quel dommage! Groovy, ce n'est pas la faute des vagues! Groovy, c'est la glace de Phoebe, ça! C'est à elle de décider si elle veut la partager avec toi ou pas. Très bien, Phoebe. Il faut toujours partager. Maintenant, vous pouvez tous les deux savourer votre glace bien fraîche et bonne pour la santé. Miam! Et maintenant, profitez de cette belle journée avec vos amis.